Voilà. Bonsoir, une petite vidéo sur à la suite du petit film qu'on avait fait sur le départ de feu. Et ben voilà, il commence à faire les travaux. Les travaux pour faire une piste cyclable. Donc on ne sait pas s'ils vont détruire tous ces arbres-là. Mais rien qu'aujourd'hui, la première journée, c'est sensationnel. Donc nous qui vivons dans la nature depuis 13 ans, sous une bâche, on nous dit qu'on dérange la nature. Et là, les travaux, donc c'est prévu une piste cyclable avec passage à gué ou je sais pas trop quoi. Il y en a pour 455 000 euros, un truc comme ça. C'est vrai que ça arrange hein, de dépenser de l'argent ou d'en gagner. Dans ce système, c'est très arrangeant. Voilà. Oh, regardez la rivière sauvage. Oh, le beau caillou. Oh. Le bel engin avec ses grandes dents. Et ici, en fait, il y a des biches aussi. Dans cette petite forêt. Et à mon avis, ils ont dû entendre du bruit aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est le premier jour. Ils ont bien aéré le lieu. Voilà, on peut regarder les arbres. Oh, je vais pas faire une trop grande vidéo parce qu'en fait, sur tout le chemin qui descend jusqu'ici, ils ont tout élagué. Le chemin qui était à peu près. Enfin, qu'on arrivait à bien rouler dessus. Il est un peu. Hop là, c'est les oiseaux qu'on entend. Il est un peu abîmé maintenant. Hein? Oh! Ah oui, ça va passer jusqu'à là-bas. D'accord. Et après, ça va rejoindre Sored. Ok. Bah, la nature va s'y faire, elle va s'adapter. Hein? Elle va faire comme nous. Bon, la plupart du temps, les cyclistes que l'on croisait ici, ils nous demandaient comment il fallait faire. Il y avait un petit chemin en bord de l'eau qu'on pouvait traverser à pied. Même avec le vélo, quoi, c'était pas du tout profond. À part l'hiver quand il y a des crues, bien sûr. Voilà, voilà. Merci de cette réalité, chérie.